bienvenue dans Follow Kid. Alors aujourd'hui, on va accueillir une artiste qui va devenir bientôt une star, j'en suis sûre. Je peux parier toutes mes économies dessus. Non, enfin presque toutes mes économies parce qu'on ne sait jamais. Alors, on accueille Nélise. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah oui. Alors, je t'ai préparé quelques questions qui sont juste là. Alors, d'abord, présente-toi. Bah, moi, c'est Nailins, j'ai 16 ans, je suis chanteuse et je fais des vidéos sur Instagram. Et j'ai à peu près 20 000 abonnés. Ok. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 petites sœurs et un petit frère. Et toi, tu chantes depuis quel âge? Je chante, en fait, je suis baignée dans la musique depuis toute petite parce que ma famille, elle chante, elle danse, ma famille est musicienne. Et sinon, je chante vraiment depuis l'âge de 11 ans. Ah, depuis mon âge? Oui. Ok. Je t'ai vu à The Voice. Raconte-moi comment ça s'est passé. Bah, The Voice Kids, je l'ai fait quand j'avais 11 ans, de ton âge. Et c'était ma première scène toute seule, là où je chantais sans ma famille. Et voilà, c'était pour tester un peu la scène, le public, etc. Et le micro de The Voice Kids, il est ouf. Et ça t'a plu du coup? Ouais. Et donc, ça t'a entraîné à quoi après? Après The Voice Kids, j'ai eu une occasion de prendre des cours de chant avec un coach vocal. J'ai sorti un album avec un groupe d'enfants qui s'appelle les World Citizens. Et voilà. Quel est ton modèle et pourquoi? Oh, mon modèle, c'est Chris Brown, c'est un chanteur américain. Et c'est mon modèle parce que je me vois dans ce qu'il fait, il est chanteur. Il est acteur et il danse. Et il est musicien aussi. Et tu peux nous chanter une petite, un petit truc qu'il a fait? Ok. With you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you, with you. Oh. Je connais cette chanson. Quelle est ta chanson du moment? C'est Catch What de Ya Levis. Et tu sais qu'il y a pas longtemps, elle est venue ici? Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que tu as déjà chanté avec d'autres artistes? Oui, j'ai déjà chanté avec Dadju, par exemple. J'ai chanté Reine avec lui. J'ai vu que Dadju, il parlait de toi dans une interview. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés? Avec Dadju? Oui. Alors, avec Dadju, on s'est rencontrés lors du tournage de son clip avec Black M. En gros, je connais Black M parce qu'il m'avait contacté sur Instagram. Et il m'avait invité à un de ses clips... Tout se passe après minuit avec Dadju. Pour venir en fait en VIP comme ça. D'accord. Et il m'a invité et puis j'ai rencontré Dadju. Et Dadju en fait il me connaissait déjà parce que il avait reposté une de mes vidéos quelques mois auparavant et du coup il m'avait reconnu sur le tournage et il m'a proposé de faire la chanson Reine avec lui. Et t'étais contente? Ah ouais, j'étais trop contente, j'étais saucée, man. Et t'as dit, ouais, je veux, comme ça? Non, je fais une gueule, moi. T'as fait comment, alors? Bah, je sais pas, j'ai dit, bah oui, avec plaisir. Je vais pas dire non. Hein. Et vous voyez souvent? Pas souvent, j'ai dû le voir 4 fois depuis. Mais je l'ai vu il y a un mois, il y a pas longtemps. Enfin. Comme ils suivent, ils vont regarder l'émission? Pourquoi pas, oui, je pense. Je leur enverrai la vidéo, si tu veux. Ah, c'est pour ça que tu dis du bien d'eux, hein, pour pas qu'ils te... Ouais. Et du coup, tu penses qu'ils viendraient dans l'émission? Bah, pourquoi pas, bro, je sais pas, je suis pas Dadju, hein. Peut-être qu'il viendra, mais j'espère pour toi, en tout cas. Bah ouais, ça serait cool. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui, on me reconnaît dans la rue. Pas tout le temps, mais des fois, ouais. Et on me dit quoi? On me dit, ah, c'est un Nailins d'Instagram, ouais, tu chantes trop bien, voilà. Après, ils te demandent des selfies? Oui. Oh, on peut faire un selfie. Ouais, voilà, exactement. Après, est-ce que tu as d'autres passions? Alors, j'ai une grande, grande passion pour le sport. Surtout pour un sport en particulier qui est le taekwondo. J'en ai pratiqué pendant 10 ans de ma vie. Voilà. Alors là, on va passer au jeu. Alors, tu dois faire ta plus belle grimace. C'est quoi ça? Attends, refais. Ta tête, elle est toute écrasée, là. Alors, tu dois imiter un animal sauvage. Oh non. Oh non. Un animal sauvage, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez que je suis trop nulle en imitation.
Voilà, ouais. Ah, c'est mon chien quand il a la gastro. Oh putain. Ok, tu sais bien imiter mon chien. Tu dois faire une pose de belle gosse. C'est quoi ça? Tu dois chanter une chanson. So come and let it go, just let it be. Why don't you be you and I be me? Bravo! Alors maintenant, on va passer au jeu de la chantilly. D'accord. Donc c'est parti, je te propose de faire la roulette russe en 3 manches. Non, c'est moi qui en mets. Non. Non, ok, t'en mets pas beaucoup. Stop. Oh, ok. Beaucoup. Vas-y. Oh là là, c'est le moment de prendre des snaps. Je sens que je vais la prendre en pleine tête. Oh là là. Ça va? Oui, ça va. Non, mais tu peux rester comme ça aussi. Non. Putain, j'en ai dans les yeux. Vas-y, remets-en maintenant, c'est à toi. Et t'en moques. Ah, maintenant, elle en met moins. Juste parce... Non, vas-y, mais en plus. Et tu tournes vite. Vas-y. Oh shit, ma mère. Ouais, ça tourne pas mon truc là. Si, ça, non, tourné... non, là t'as pas tourné parce qu'en fait c'était celui que j'avais fait. Ah. Oh. Oh non. Okay. Oh non. Ok. Arrête, c'est le stress. Bouh. Ok. Tu rigoles moins là. T'as de l'autre sens? Non, mais je suis sûre que je la prends en fait. Non, je sais, ça va être encore moi là, ça va même pas aller. Toi, t'as l'habitude. J'ai l'habitude. En plus, tu mets bien ta tête. Oh. Vas-y, à toi. Ok. Ah, mais... En fait, tu peux rester comme ça, ça me dérange pas. Tiens. Là, il y a 1-1. Et là, c'est la dernière manche. Celui qui gagne, il a gagné. C'est moi qui me cache. Allez, c'est moi qui commence. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est bon, t'as gagné. T'as 2-1. Donc, maintenant, tu vas chanter. Avec plaisir. Je vais faire ma revanche bientôt. Aïe, un jour, t'inquiète. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, là, on va finir en chanson. Nélise, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais chanter Let It Go de James Bay. D'accord, vas-y. From walking home, talking loud. To sing shows and even close with you. From never starch and getting drunk to staying up and waking up with you. And now we're sleeping at the age, holding something we don't need. All this delusion now I hate is gonna bring us to our knees. So come and let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything is broke. Leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Pa 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 pa. That's great. Wow! Bravo. Tu chantes vraiment bien. Mieux en vrai qu'en vidéo. Oh, c'est gentil, merci. De rien. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Bon, bah maintenant, tu vas m'apprendre à chanter. Vas-y, c'est parti. Vas-y, on y va.